Salut les potes, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui sur Ultimate Team pour une vidéo présentation d'équipe. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté une équipe avec des cartes autistes. Cette semaine, je vous présente une équipe française, comme vous pouvez le voir, avec le petit drapeau. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc on joue toujours en 4-3-2-1. Dans les cages, c'est du Hugo Lloris, Mangala Koscielny en défense. J'aurais pu mettre Kaboul ou Varane, Kaboul qui est très très cheaté, mais j'ai préféré mettre Koscielny Mangala. C'est très très lourd aussi, donc ça me va. Défenseur droit, Konko. Pourquoi Konko? Il est très très rapide et surtout très très physique. À chaque fois qu'il y a un coup d'épaule à mettre, il est là et il remporte tous ses duels. Donc c'est ce qu'on lui demande. Défenseur gauche, Clichy. Ensuite, les trois du milieu de terrain. Donc Moussa Sissoko qui a été up dans l'axe. Donc son poste a changé, c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que je l'ai acheté directement et il est très très bon. Donc 85 de physique, 82 de vitesse. Il est complet. On va dire qu'il est complet, c'est un mini Pogba, même si voilà, on peut pas le désigner comme un mini Pogba parce que Pogba est tellement au-dessus, mais franchement, il a de très très bonnes stats, il est très complet, Moussa Sissoko. Ensuite, Matuidi pour terminer le trio milieu de terrain, c'est un milieu de terrain très très solide, on va dire ça comme ça, parce que Matuidi court partout, et Sissoko et Pogba, au physique, ils sont là. Ensuite, donc en attaque, donc là, AVG, Franck Ribéry, qui m'a coûté tout de même 289 000 crédits, donc c'est quand même assez cher. À noter que cette équipe m'a coûté 350 000 crédits en tout, donc c'est assez cher, mais si on enlève Franck Ribéry, ça va, ça passe, c'est pas si cher que ça. Mais par contre, concernant le Lacazette, alors je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais le Lacazette, donc celui-ci c'est le Lacazette qui a été up, donc le 82, je joue mieux avec le 79 qu'avec le 82. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il a des bonnes stats, il est très très bon, donc 19 matchs, 16 buts, 12 passes décisives. Mais je suis même pas à un but par match, alors qu'avec l'ancien Lacazette, je mettais presque deux buts par match. C'était du grand n'importe quoi, mais ça reste quand même un très très bon buteur. Ensuite, la VD, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un joueur où je prends énormément de plaisir à jouer avec lui. Il est très très fort, il est 5 étoiles de gestes techniques, ils sont pour beaucoup. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec Atem Ben Arfa. Donc voilà, 19 matchs, 12 buts et 10 passes décisives. J'espère que vous avez appréciez la petite présentation d'équipe. Si vous en voulez d'autres, waouh, j'ai failli bugger. Si vous en voulez d'autres présentations d'équipe, n'hésitez pas à liker. J'en ferai peut-être dans les semaines à venir. J'en fais de temps en temps. Donc là, ça faisait deux semaines que je vous en avais pas présenté. Donc voilà, une petite équipe de France. Bon, petite, non, parce qu'il y a Franck Ribéry. Mais si on enlève Franck Ribéry, Paul Pogba, elle est largement abordable. Donc voilà, bonne journée à tous, bonne soirée. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous laisse avec le clip de fin. Ciao les gars, c'était Flo Nox aux manettes. I'm a guy.
Thank you.